Renaud Coco, nos salles. Je suis président du groupe Agora pour l'éducation aux droits de l'enfant et à la paix. C'est une organisation régionale qui a été mise en place à Strasbourg en France depuis 1996. Nous sommes au Sénégal depuis 1998. Nous sommes partenaires du ministère de l'Éducation et de Plan Sénégal. Nous sommes là dans le cadre de renforcement des capacités des enseignants, directeurs d'école et même de responsables des écoles pour dans le domaine des droits de l'enfant, de la participation, pour une mise en place efficace du gouvernement scolaire, qui est un cadre pédagogique de gestion, d'auto-gestion des enfants pour les enseignements, apprentissage, et surtout pour leur permettre de pouvoir mieux exercer leurs droits de participation. Et pour le faire, il faut qu'ils connaissent tout d'abord les droits, leurs droits, et aussi il faut que les enseignants sachent comment intégrer le droit de l'enfant, la participation dans les enseignements apprentissage. Ils sont combien et quel doit être le suivi justement de cet atelier? Mais à Saint-Louis, nous sommes contents parce que nous avons presque 25 participants et participantes qui viennent de loin, de Dagana et de partout et qui sont présents et très très intéressés par les objectifs de l'atelier et ils vont recevoir une formation efficace sur les droits de l'enfant. Ils vont aussi découvrir que la participation, c'est un droit de l'enfant stipulé dans la Convention relative aux droits de l'enfant à l'article 12 et aussi dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et ils apprendront demain la pratique, savoir comment ils vont devoir intégrer les droits de l'enfant dans les curriculums de l'éducation des bases, dans Vivre Ensemble,